D'accord. Alors, on va discuter de la question de l'optimisation du RQ via le mini-cas sur lequel vous avez travaillé. Selon le sondage, j'imagine que vous êtes transparent, vous êtes dans votre démarche. Il y aurait 65% des gens qui seraient arrivés au bon résultat. La question, je ne la posais pas, là, à savoir est-ce que vous êtes rendu jusqu'à la question d'actualisation, là. Ça, c'est du bonus rendu là. Ça se comprend, on va l'aborder, c'est hyper intéressant. Mais moi, je me posais juste la question, est-ce que vous êtes capable, après avoir vu la captation du cours, puis ça m'étonne qu'il y a quand même 35% qui n'ont pas été capables. C'est correct. Je ne veux pas voir c'est qui, là, en passant, là. C'est anonyme, mais ça vous regarde. Mais normalement, ça aurait dû être 100% parce que c'est toujours la même compréhension, puis j'en ai parlé dans le cours, la captation du cours. OK, donc, on va lire l'énoncé ensemble. À tout moment, vous avez des questions, c'est un sujet de discussion. On prend ce mini-cas-là pour parler du filet social, d'accord? On comprend là, que je me posais la même question que la pension de sécurité de vieillesse aussi. Il y a des paramètres différents, ça se calcule différemment, mais c'est la même idée. Puis, comprenez ce que vous faites, apprenez pas ça comme une recette. OK, donc on a votre oncle qui s'appelle Ernest Hemingway, qui célèbre aujourd'hui son 59e anniversaire. 59. Déjà, je vous pose la question. Parce que vous savez que le choix, l'optimisation du choix de la prise de RQ, c'est une question d'envisager le décès, de probabilité de survie, de probabilité de décès. Donc, la question hyper importante de comprendre, je le mentionne à différents endroits, dans la captation, dans le volume. Tout le monde est en même place avec le 59 ans. Quelle est l'espérance de vie? Selon vous, d'Ernest, quand il se pose la question à 59 ans, c'est quoi son espérance de vie? On ne joue pas au médecin, OK? On y va avec les statistiques. C'est quoi son espérance de vie à 59 ans? À peu près, dites-moi à peu près. Que quelqu'un connaît l'espérance de vie d'Ernest Hemingway à 59 ans? Pas 81. Oui, Gabriel. Oui, Gabriel. D'après les normes IQPF, c'est écrit 50% de chances de se rendre à peu près à 89 ans. Oui, excellent. Donc, c'est cette idée-là. C'est cette idée-là que je veux vous faire comprendre. Je veux que tout le monde ici, vous soyez des actuaires, en tout cas à ce niveau-là, des démographes. Je veux que vous compreniez que quand on dit qu'un homme a une espérance de vie moyenne au Canada de 80 et qu'une femme a une espérance de vie moyenne de 84 ans, c'est le jour 1 où il respire. Puis, lorsqu'on est rendu à 59 ans, on a évité la noyade, on a évité de se faire écraser par un auto, on a évité un accident d'auto, on a évité une crise cardiaque, on a évité le cancer, on a évité un paquet de trucs qui fait qu'à 59 ans, pour un homme, mon espérance de vie n'est plus de 80, elle est peut-être de 85, elle est peut-être de 87. C'est pas le chiffre exact qui m'intéresse, c'est la compréhension que quand on fait un choix d'optimisation sur la RQ, travaillez pas avec 80 ans pour un homme, puis 84 ans pour une femme. L'espérance a été déplacée. Je répète. Alors, cette idée-là, est-ce que vous la comprenez, là? Parce qu'elle est fondamentale quand vous allez parler avec vos oncles puis vos tantes, puis leur expliquer le big picture du choix du RQ. Est-ce qu'il y a des précisions de demander là-dessus? OK. On continue. Vous assistez à la petite fête organisée en cet honneur. Votre oncle est un homme terriblement tourmenté par ses finances personnelles, sans raison apparente, puisque celui-ci est très économe et tout le temps actif dans son travail. Ernest est auteur littéraire à succès. Il pense écrire des romans jusqu'à l'âge de 70 ans. Depuis 21 ans, ses revenus d'auteur ont fluctué entre 50 000 et 60 000. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tente de me poser une question? OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ernest Hemingway, bon an, mal an, depuis l'âge de 21 ans, gagne des revenus entre 50 000 et 60 000? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire par cette information-là? Son revenu Avoir le moyen. droit au maximum. Oh, pardon. Oui, excellent. Donc, j'ai entendu quelqu'un dire. Ça signifie qu'il a droit à son maximum. On va en parler tout de suite de cet aspect-là. Ça, c'est un aspect qui va être utile pour vous sur plusieurs facettes
du cours. Nommément, quand vous allez parler de la planification de la retraite en 5 étapes, quand vous allez vous demander avec quel montant de prestation de RQ je vais travailler, dans le cours, il va y avoir 3 situations. Je ne vous demande pas de le calculer en détail. Juste pour votre information, c'est dans le volume, les grandes lignes. Comment est-ce qu'on calcule le montant que je vais obtenir de la rente du RQ au moment de ma retraite, lorsque je vais en faire la demande? Il y a un lien avec l'effort. Il y a un lien avec le revenu d'entreprise ou le revenu de travail gagné. Donc, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Dès l'âge de 18 ans, il y a une fenêtre qui s'ouvre de cotisation au RQ jusqu'au moment où on la demande. D'accord? En gros. Donc, si jamais on prend quelqu'un qui la demanderait selon l'âge standard de 65 ans, de 18 à 65 ans, ça donne, sauf erreur, 47 années. On va prendre pour chacune de ces années-là le salaire admissible, donc le salaire. D'accord? Bien sûr, on va les ramener en dollars d'aujourd'hui. Ce n'est pas important la mécanique, comment on arrive à amener ça au dollar d'aujourd'hui. Mais on comprend qu'on veut démontrer des chiffres qui sont comparables. Donc, on va tout ramener ça en dollars d'aujourd'hui. On va tasser 15 % des moins bonnes années. Donc, vous pouvez faire le tour du monde de 20 à 23 ans sans payer de RQ et vous ne serez pas touché par votre rente. Sur 47 ans, 15 % où on rejette les moins bonnes années, ça donne à peu près 7 ans qu'on enlève. Et le montant admissible moyen sur les années cotisées, on va multiplier par 25 %. En gros. Mais je vous demande pas du tout de faire ce calcul-là. Je veux par ailleurs que vous soyez capable. Excuse, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Est-ce qu'il peut le fermer? Oui, c'est ça. J'essaie de mettre tout le monde muet. Oui, effectivement. Un instant, je vais m'occuper de ça. OK. Ça devrait être correct. OK, donc, ça, c'est pour le mode de calcul, mais je ne vous demande pas de maîtriser, je ne vous demanderai pas des calculs pointus comme ça. La seule affaire, c'est que si je vous parle d'un profil d'individu qui a toute sa vie en dollars d'aujourd'hui gagné plus ou à peu près comme le gain maximum admissible, vous savez combien aujourd'hui ou à peu près, là? Vous n'êtes pas obligé d'avoir le chiffre exact, mais tout le monde comprend que le RQ, vous cotisez jusqu'à à peu près 50, ben je vais vous dire exactement, 58 700 en 2020. Donc, si vous faites 100 000 $ vous arrêtez de cotiser à 58 700. D'accord? Donc, ce chiffre-là a un lien avec le montant que vous allez recevoir. Alors, si vous avez toujours été au montant maximum, le gain maximum admissible, ben vous allez avoir le maximum de RQ qui est pour 65 ans, en 2020, 14 128. Donc, dans le cours, je vais vous donner l'information. Vous allez être capable de dire, OK, cette personne-là a à peu près le profil du maximum. Je travaille avec 14 128, référence à 65 ans. Ah, c'est quelqu'un qui avait des ennuis de santé, qui travaillait à temps partiel, toute sa vie a gagné à peu près en dehors d'aujourd'hui 30 000 $. Ah, ça, c'est le signal pour que vous travailliez avec la moitié. En gros, ah, c'est quelqu'un qui a été sur l'aide sociale toute sa vie, qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais eu de revenus d'entreprise, de salaire, de toute sa vie, vous travaillez avec zéro. C'est ce que je vous demande comme compréhension et intégration. Très important ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que c'est suffisamment clair, ça? C'est pas comme la pension de sécurité de vieillesse. Pension de sécurité de vieillesse. Tu as 65 ans, tu respires, bravo, tu as 7 362. Il n'y a aucun lien avec l'effort. Le RQ, oui. OK. Il n'a pas d'enfant ni de conjointe, mais ses amis sont nombreux. Il vous confie que vous serez le seul héritier de ses biens à son décès. Donc, vous êtes hyper intéressé par le choix d'optimisation du RQ. Parce que plus que vous optimisez le RQ, plus ça fait de l'argent pour vous comme héritier. Ce sont des vases communicants. Donc, j'essaie de vous motiver là, ici un petit peu, là.
Il vous demande par la suite, puisque vous serez l'héritier ultime, quelle serait la meilleure décision relativement à l'encaissement futur du RQ. Ernest n'a pas de dette et la valeur de ses actifs est d'environ 600 000. Blablabla, blablabla. C'est plus ou moins pertinent. Ça, c'est cette information-là, c'est ce qu'on va être dans le détail de l'actualisation. OK? Mais c'est pas vraiment important au calcul qu'on veut faire là, dans un premier temps. Plus précisément, Ernest vous demande s'il devrait encaisser son RQ à l'âge de 60, 65 ou 70 ans. Il veut que vous lui expliquiez votre démarche, chiffre à l'appui. Okay? En passant, que quelqu'un ici qui connaît ça, culture générale, finances personnelles, situation québécoise, quel est l'âge moyen des Québécois lorsqu'ils demandent leur RQ? C'est intéressant, c'est pertinent d'avoir ça comme bagage d'information dans notre tête. 61 ans. Excellent, excellent. C'est 61 ans, plus exactement, apparemment, 61 ans et demi. Est-ce que quelqu'un qui sait quel pourcentage des Québécois repousse au-delà de 65 ans à la demande du RQ? 3 %. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Est-ce que... Sans être des experts, sans encore avoir fait des calculs détaillés, qu'est-ce que ça peut vous dire que la moyenne est de 60... Quand vous comprenez que la moyenne est de 61,5, c'est un jeu entre 60 et 70 ans, ça veut dire que 60 % des Québécois demandent le RQ à 60 ans exactement. Est-ce que vous pensez que les Québécois prennent les meilleures décisions globalement? Est-ce que tout le monde prend la meilleure décision? C'est certain que non. Et on a tous un rôle à jouer dans l'explication, dans la vulgarisation de ce biais cognitif-là. J'ai présentement un étudiant qui a fait son essai sur ce sujet-là. On pense que c'est un truc comportemental. Puis on veut aller dans l'espace public avec cette idée-là. Mais est-ce que vous comprenez mon angoisse? Est-ce que vous comprenez comment il y a quelque chose qui cloche? Quand on dit que 60 % des Québécois demandent leur RQ à 60 ans, c'est certain qu'il y a des gens qui prennent de mauvaises décisions. Pas tout le monde. Il y a des gens qu'il faut qu'ils prennent leur RQ à 60 ans. OK? Mais ce n'est pas vrai que 60 % devraient prendre leur RQ à 60 ans et que la moyenne est de 61 ans et demi. C'est beaucoup trop faible. Les gens ne comprennent pas l'enjeu. C'est votre job. Futur spécialiste de... acquérir les connaissances pour pouvoir discuter de ça. OK? Dans un deuxième temps, je vous dis que Ernest parle souvent de chiffres avec ses amis mathématiciens. Il vous demande si vos calculs devraient tenir compte d'un facteur d'indexation ou d'actualisation sur les rentes. Vous trouvez votre ongle pas mal allumé et un brin fatigant avec ces questions. OK. Ça, on le fera en deuxième temps. Ça, c'est du bonus. On va aller plus loin avec ça. Mais moi, je veux m'assurer qu'on comprend l'idée derrière le calcul du point d'indifférence dans les choix d'optimisation, RQ versus RQ à 60 ans ou 65 ans, etc. Donc, on va aller voir la solution. Faites bien. OK. D'accord. Alors, on y va avec un fichier Excel ici pour la solution. OK. Bon. Tout d'abord, essentiellement, est-ce que tout le monde ici comprend et est à l'aise avec l'idée de départ que quand je fais un choix d'optimisation par rapport au RQ, que je me pose la question, est-ce que c'est mieux à 60 ans ou à 65 ans? Est-ce que tout le monde comprend que l'enjeu, c'est de dire ce qui est positif de le prendre à 60 ans?
c'est que pendant 5 ans, je reçois des montants que je ne recevrais pas si je le prends à 65 ans. Tout le monde comprend ça. Mais que l'avantage de le prendre à 65 ans plutôt qu'à 60 ans, c'est qu'à chaque année, à partir de 65 ans, j'en gagne plus que si je l'avais demandé à 60 ans. Est-ce que tout le monde comprend? C'est ça qui est au menu. C'est ça le point de départ. Si tout le monde comprend ça, que c'est le lièvre et la tortue, bien, le reste, ça devrait bien se calculer. Donc, je répète, si je compare le choix de 60 versus 65 ans, dans la colonne des plus pour le 60 ans, c'est que pendant 5 ans, de 60 à 65, je reçois des montants que je ne recevrai pas si je demande à 65. Dans la colonne des plus, si je demande à 65 plutôt qu'à 60, c'est comparatif cette histoire-là, bien, je vais en recevoir plus à chaque année à partir de 65 ans à cause de la bonification. Ça va? OK, donc on travaille avec ça. Alors, là, je l'ai fait globalement. On va se concentrer sur un scénario à la fois pour pas qu'on se mélange, OK? Donc, le scénario qu'on analyse pour Ernest, dans un premier temps, c'est de dire, est-ce qu'il devrait demander son RQ à 60 ou à 65 ans? Parfait. Alors, ici, juste un instant. OK. Donc, je vais comparer 60 ans avec 65 ans. Alors, ici, je vais commencer à 65 ans, excusez-moi. Si on demande à 65 ans, on a le montant maximum. On l'a déjà expliqué pourquoi Ernest a le montant maximum. Et c'est le référent aux yeux du gouvernement québécois, aux yeux de Retraite Québec. Le référent de 100%, c'est 65 ans. Le montant ici est de 13 610. Exemple de chose qui ne doit pas vous faire paniquer. C'est la même logique, c'est le même raisonnement, c'est le même calcul. C'est le chiffre de 2019 qui est là. C'est pour ça que vous ne retrouvez pas votre 14 128. Ce n'est pas plus grave que ça. Tous les autres paramètres sont les mêmes. Okay? Donc, mon référent, 13 610. Alors, si je demande, si Ernest demande son RQ à 65 ans, il va recevoir 13 610 par année à compter de 65 ans. S'il est pressé et il demande son RQ à 60 ans, il va se retrouver avec 8 710. Le 8 710, c'est simplement l'amputation de 7,2% par année. OK? Il y a une subtilité dans le calcul. C'est pas je prends le montant 13 710, j'enlève 7,2. Je prends le chiffre, j'enlève 7,2. Je prends le chiffre, j'enlève 7,2. Comprenez-vous? Il n'est pas composé la réduction, pas plus que la majoration. Donc, pour arriver à tenir compte de l'amputation de 7,2% par année pendant 5 ans, je dois tout simplement faire 5 fois 7,2, ce qui donne 36%. Donc, on ampute 36%, il reste 64%. Alors, résultat des courses, 64% de 13 610, ça donne 8 710. Je redis une deuxième fois. Ce n'est pas composé la réduction. Comprenez ça? Ça va? Donc, ça, c'est le point de départ. Maintenant, l'autre élément, c'est l'avantage. Si je commence à 60 ans, je vais prendre un air d'aller. Je vais recevoir les montants de RQ avant celui qui demanderait à 65 ans. Donc, si je demande à 60 ans le RQ, je vais avoir une avance par rapport à celui qui le demanderait à 65 ans de 43 552. Tout le monde comprend d'où vient le 43 552? 5 fois 8710. Si je demande à 60 ans le RQ plutôt qu'à 65, mon analyse, elle est comparative. Bien, si je demande à 60 ans, bien, je vais avoir 5 fois 8710 d'avance sur le choix de 65 ans. Je vais avoir 43 552 alors que celui qui commence à 65 ans va avoir zéro. Ça va? Ça, c'est le côté plus pour commencer à 60 ans. Le côté moins pour commencer à 65 ans, c'est qu'à partir de 65 ans, si je fais le choix
de demander mon RQ à 65 ans comparé à 60 ans, bien, l'avantage de commencer à 65 ans, c'est qu'à chaque année, à partir de 65 ans, je vais gagner 4 900 de plus. Tout le monde comprend d'où vient le 4 900 de plus? 13 610, montant reçu si je commence à 65 ans. 8 710 si je commence à 60 ans. Ça va? Des fois, j'entends la question que je trouve très cocasse. OK? Peut-être que vous l'avez en tête. Si vous l'avez en tête, c'est pas grave. Gardez-le pour vous. Il y en a qui me posent la question, des fois, ils me disent, « Hey, quand je fais mon choix, là, si je commence à 60 ans, est-ce qu'à 65 ans, ils vont me réindexer à l'âge de 65 ans? » Il y en a qui me posent cette question-là. Si vous avez ça en tête, dites-vous, faites-vous une réflexion personnelle. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si je fais le choix de 60 ans, je fais le choix de recevoir de l'argent avant celui de 65 ans. Pensez pas que rendu à 65 ans, on va le remettre au montant de 65 ans. Sinon, il n'y a aucune analyse à faire. Vous suivez? Ça va, là? Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, là? OK? Donc, maintenant, le point d'indifférence. J'ai mon avance de 43 352 si je demande un RQ à 60 versus 65 ans. Par contre, j'ai la bonification de 4 900 par année versus 60 ans si je commence à 65 ans. Et c'est tout simplement divisé un par deux, un par l'autre. Donc, quand je suis à comparer 60 versus 65, quand je suis à comparer 60 versus 65 ans, bien, je prends le 43 552 d'avance si je commence à 60 ans et je divise par les gains annuel si je commence à 65 ans. Donc, 43 552, ça va me prendre combien de temps pour rattraper 43 552 si je commence à 65 ans et à chaque année, je gagne 4 900? Ce n'est qu'une petite règle de 3. Ça donne 8,9 années. Bien sûr, je ne l'additionne pas à 60 ans. Je l'additionne à 65 ans. D'accord? Donc, 8,9 plus 65, ça donne 73,9. Alors, résultat des courses, pour Ernest, ce que je lui dis, le choix entre demander le RQ entre 60 ans et 65 ans, si tu meurs à 73,9, c'est la même affaire. Donc, vous comprenez que si c'est le point d'indifférence à 73,9, bien, je dis à Ernest, si tu penses mourir à 66 ans, demande-le à 60 ans. Si tu penses mourir à 85 ans, ben prends-le à 65 ans. Ça va? J'ai fait une petite preuve, là, tout simplement fait 13,9 années fois 8710. Ça donne 120 978. Et après ça, j'ai fait 73 moins 65, 8,9 fois 13610. Ça donne effectivement le même chiffre. Là, peut-être certains d'entre vous, vous êtes un peu sceptiques de la démarche. Peut-être que vous posez la question, à quoi ça sert faire ça? Puis c'est correct, je respecte votre point de vue. Puis si vous voulez avoir la discussion, on peut l'avoir. Il y a peut-être des gens ici qui, comportementalement, ne voient pas l'intérêt à ça parce qu'ils se disent, de toute façon, on ne sait pas à quel âge Ernest va mourir. Donc, en quoi on l'aide à prendre une décision en lui disant que le point d'indifférence est à 73,9? Est-ce qu'il y en a qui sont de cet avis-là? Juste pour que je cherche, là, si... Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est pas extra ce qu'on est après donné comme information à Ernest? Est-ce qu'il y en a? Oui, Gabriel, as-tu quelque chose à dire là-dessus? C'est sûr que ça l'aide, mais en même temps... Je pense que ce qui est vraiment important, c'est est-ce qu'il y en a besoin en ce moment? Est-ce qu'il va en avoir besoin à 60 ans ou est-ce qu'avec son train de vie et l'argent qu'il a, il va être correct pour attendre jusqu'à 65 ans et après ça jusqu'à 70 ans? C'est, je trouve que ça, c'est zéro considéré, mettons, dans la démarche qu'on a faite actuellement. Tu as raison, Gabriel. On va y arriver. Très, très bon point. Très bon point. Je veux me concentrer sur la mécanique. Puis après ça, je vais vouloir faire dire des choses intelligentes comme tu viens de le faire, Gabriel. OK.
Donc, dans un printemps, regardons quel est le point d'indifférence. Puis après ça, on regardera les autres éléments. Gabriel vient d'en mentionner une chose très importante. Est-ce qu'on a les moyens de reporter à 65 ans? Mais mathématiquement, en mathématiques financières, ici, 73 ans, je meurs à 74, j'étais mieux de reporter à 65 ans. Alors, ce que je veux vous faire dire, c'est que de toute façon, le choix de RQ, il n'y a pas de certitude parce qu'on n'a pas de certitude par rapport à l'âge du décès. Donc, la chose la plus intelligente qu'on peut faire, la seule chose rationnelle qu'on peut faire, c'est travailler avec les probabilités puis aller dans le sens des probabilités. On ne peut pas nous demander plus que ça. On a beau être des CPA, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas, Ernest, quand est-ce qu'il va mourir. L'affaire que je sais, par exemple, comme le dit un de vos collègues tantôt, c'est que je sais qu'à 60 ans, Ernest a 50 % des chances de survivre à 89 ans. Ça, je lui dis pour l'aider à prendre sa décision. Alors, est-ce que vous comprenez que pour Ernest, s'il a les moyens, s'il a les revenus pour financer sa retraite entre 60 et 65 ans, comme Gabriel l'a mentionné, est-ce que vous comprenez que c'est certain que Gabriel, on lui recommande de reporter à 65 ans? Bon, là, il y a toutes sortes de qualitatifs. Peut-être que lui, ça ne l'intéresse pas, mais en termes économiques, vous êtes l'héritier, n'oubliez pas, plus qu'il y a d'argent, plus que vous faites de choix optimal, plus qu'en bout de ligne, va en rester pour vous. OK? Donc, 73,9. Alors, c'est sûr que je ne reprends pas toute la mécanique pour le choix entre 65 et 70, c'est la même idée. C'est tout simplement la même idée avec des chiffres différents. Juste avant d'aller dans la question d'indexation versus la question d'actualisation, je veux revenir sur certains éléments qualitatifs, notamment ce que Gabriel a mentionné. Okay? Donc, on comprend que le choix entre 60 ans et 65 ans, le point d'indifférence est 73. Le point d'indifférence entre 65 ans et 70 ans, c'est 81,9. OK? Comprenez qu'à 65 ans, quand tu fais ce choix-là, ton espérance de vie est peut-être plus de 85, est peut-être de 87. Si tu es une femme en plus, tu as 2 ans de plus d'espérance de vie qu'un homme, là. Donc, ça milite pour le report encore plus. Mais effectivement, comme Gabriel le mentionne, si toi, pour avoir des revenus de retraite qui te permettent d'équilibrer ton train de vie à la retraite, tu as besoin immédiatement du RQ à 60 ans, le débat il est clos. Tu n'as même pas le loisir de te rendre à l'optimisation. Tu vas le demander à 60 ans. Même si dans ta famille, ça meurt à 100 ans. Génétique dans ta famille, 95-100 ans, j'ai besoin du RQ absolument, comme Gabriel a mentionné, pas le choix, on va le demander. Je veux juste que vous ouvrez votre esprit par rapport à ça. Finances personnelles, c'est des vases communicants. Si on a planifié la retraite, on a dans notre arsenal probablement le RQ, bien sûr, on a la pension de sécurité vieillesse, mais on a aussi des fonds qu'on a individuellement épargnés dans notre RR ou notre CELI. OK? Donc, ce que je vais répondre à Gabriel, c'est de dire peut-être que le fait de demander ton RQ à 60 ans, ça te permettrait d'équilibrer tes finances de retraite en retirant moins de ton REER ou de ton FER. OK? Mais la façon qu'on devrait le dire puis le voir, c'est que si jamais on est convaincu que 73,9 comme point de différence, c'est un gros signal pour reporter à 65 ans, je te dirais, tu as juste à jouer, à moduler dans ta source de revenus, Gabriel. Tu as juste à dire, au début de 60 à 65 ans, ce qui me manque, je vais aller en chercher plus dans mon REER ou FER et je ne demanderai pas mon RQ. Et par la suite, vu que je vais recevoir mon RQ bonifié, j'aurai moins de REER et FER à demander ou à prendre. Donc, ça s'équilibre. Et c'est là que les Québécois font des erreurs. Je parle des Québécois, pas les 40 % qui ne payent pas d'impôts, là. Okay? Qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne font pas assez d'argent. Okay? Ces gens-là, ils ont des retraites avec des revenus minimales. Mais pour les autres, la question se pose. Okay? Puis ça va au-delà de dire, ben, je ne sais pas, moi, l'argent, je trouve qu'il est plus intéressant à 60 ans qu'à 70 ans.
c'est légitime, c'est tout à fait vrai. Mais si tu sais que tu en as assez, même pour en léguer aux enfants, que tu as planifié pour avoir un montant d'argent, un genre de buffer, un genre de coussin, et là, le choix, il vient clairement optimal de reporter. Alors, conclusion, c'est du cas par cas, c'est beaucoup comportemental. Voulez-vous que je vous le dise, c'est quoi le bout comportemental? Pourquoi que les Québécois systématiquement demandent à 60 ans, puis l'âge moyen, c'est 61,5? Parce que comportementalement, tous les Québécois sont capables de sentir la douleur de dire « Je reporte à 70 ans, puis qu'est-ce qui arrive si on me déclare un cancer à 67 ans, puis il me reste un an à vivre? » Ça, là, c'est insupportable de penser que j'aurais pu avoir 8 ans de RQ, puis que là, je vais avoir zéro, je vais être dans le bar. Ça, tous les Québécois sont incapables de vivre ce scénario-là. Pourtant, le scénario de le demander à 60 ans et de survivre jusqu'à 82, je ne vois même pas 90, à 82, c'est une perte encore plus grande et plus probable. Une perte plus grande, plus probable. Mais pourquoi qu'elle ne dérange pas celle-là? Quelqu'un peut me le dire comportementalement. Pourquoi ça ne dérange pas quelqu'un qui demande le RQ à 60 ans puis que finalement, il vit jusqu'à 82 puis il ne vit pas avec des regrets de dire « Oh, j'aurais dû la prendre à 65 ans. » Pourquoi personne ne fait ça? Mais qui vont le faire, par exemple, s'ils se sachent condamnés à 68 ans puis n'ont pas demandé le RQ à 60 ans. Pourquoi comportementalement? Question, quelqu'un sait? Wendy? Ce que tu ne vois pas, ça fait pas mal. Ce que tu ne sais pas, ça fait pas mal. Les gens, ils ne voient pas cette perte-là. Aucunement. Là, vous, vous allez commencer à la voir. Vous allez commencer à comprendre l'enjeu. Mais commun des mortels ne voit aucunement cette perte potentielle-là. Question là-dessus? Discussion? Ça vous va? Oui, Ludovic? Moi, j'avais une question. Tantôt, tu parlais de... Tu sais, c'est, en fait, c'était de la gestion avec les placements que tu avais versus le RRQ. Oui. Là, moi, dans le fond, la façon que je le vois, c'est... Tu sais, là, si tu prends ton RRQ à 60 ans versus 65, bien, tu perds 7,2% par année. Oui. Si tes placements, tu fais plus que du 7,2, garde tes placements, prends ton RRQ à 60 ans. Non, tu as pas mal. C'est correct, Ludovic. Bonne question. La logique? Oui, mais tu as beaucoup d'erreurs de logique là-dedans, Ludovic. C'est correct, là. C'est pas facile. Là. C'est une bonne question. J'ai pris un à un, puis tu me le dis si tu comprends ce que je veux dire. OK. Première des choses, l'amputation, la réduction de 65 ans à 60 ans de 7,2 par année n'a aucun rapport avec ton rendement. C'est pas un rendement, ça, Ludovic. C'est pas un rendement. Pour calculer un rendement par rapport à ton choix de RQ, faut que tu décèdes. Je vais te le calculer, c'est à quoi ton rendement. Ludovic, si tu meurs à 103 ans, là, ton rendement de RQ va être solide dans ta barouette. Si tu meurs à 61 ans puis tu voulais le reporter à 65 ans, ton rendement, ça n'a pas rapport. C'est contre-intuitif. C'est sûr que c'est correct. C'est normal que tu me poses la question. Plein de gens penseraient qu'il y a un lien. On ne sait pas le rendement. Ça n'a pas rapport, le rendement. L'amputation de 7,2, on ne sait pas le rendement. Je ne sais pas si ce bout-là, tu viens de le comprendre par rapport au fait que c'est une question. Il faut avoir la vue d'ensemble quand est-ce que tu vas décéder. Est-ce que tu le vois, là, un petit peu? Oui, je comprends. Merci. OK? Fait que c'est ce bout-là. L'autre affaire, par contre, ce que tu dis, Ludovic, que j'ai le goût de renchérir dessus, c'est que c'est tout à fait vrai qu'il va y avoir un lien avec mon optimisation du RQ, le choix, avec les rendements que je fais dans mon REER ou mon FER. Ça, c'est la prochaine question qu'on va se poser tantôt. Je veux juste demander à Dominique c'est quoi sa question avant de passer à la prochaine étape. Oui, Dominique? Moi, c'était pour savoir, vu qu'il va continuer à faire un salaire, il va continuer à payer de la RRQ, est-ce que ça va changer le calcul ou ça ne changera pas le calcul? Il va quand même être moins 7,2%, même s'il continue à cotiser en prenant la RRQ. OK. Dans la précision, c'est une bonne question, Dominique, OK?
Les grandes lignes du RQ, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est complexe, il y a des détails, des petites règles. Le RQ, quand on calcule son maximum, première des choses, ça ne jouera pas dans le 7.2. Ce n'est pas là que ça va jouer. C'est par rapport au référent maximum. Si tu es déjà à 14 128 en 2020, le fait de travailler plus longtemps puis de cotiser plus ne te fera pas gagner nécessairement un montant d'argent. Okay? Donc, tu payes un peu dans le beurre par rapport à ça. Par ailleurs, et là, ça ne devrait pas changer ton calcul, l'idée générale, mais si tu arrêtes de travailler à 60 ans, tu prends ta retraite à 60 ans, puis c'est ça ta question plus, Dominique, d'après moi, puis tu arrêtes à 65 ans, c'est sûr que tu as 5 années de cotisation à zéro, qui va diminuer ton 14 128. Un peu, mais ça dépend. Si ton 15 % des pires années n'est pas tout utilisé, bien là, dans le calcul plus détaillé, tu ne seras pas pénalisé. Donc, c'est des bonnes questions, Dominique. Quand on creuse la question, quand on va plus en détail, il faut préciser ces calculs-là. Mais pour les fins du cours, pour nos calculs, ça ne change rien à l'idée. Ça te va? Parfait, merci. Ça va? Donc, il n'y a pas d'autres questions jusqu'au moment où on est après déterminé le point mort. Jusqu'au moment où on se dit que c'est une information hyper pertinente parce qu'on travaille avec les tables de probabilité de survie et que bien des Québécois devraient le reporter, le RQ. C'est du cas par cas, mais sûrement plus que ce qui se passe présentement. On va essayer de changer ça un petit peu dans l'année à venir avec notre papier de recherche qu'on va publier. OK. Là, ça rejoint la question de Ludovic. Dernière question que j'avais pour vous, OK? Ernest a posé une question. Vous comprenez que les calculs que je viens de faire ici, le 73.9, 81.9, ce n'est que des règles de trois. Puis d'aucune façon, j'ai fait intervenir des mathématiques financières. On est d'accord? Je n'ai pas fait intervenir de mathématiques financières. Bon. Ernest, là, en parlant avec ses amis mathématiciens, se pose deux questions. Il se dit, dans tes calculs là, de points d'indifférence, est-ce que tu devrais tenir compte dans un premier temps de l'indexation? Comme vous savez, le RQ est indexé à chaque année pour pas qu'on s'appauvrisse en relation avec l'inflation. Donc, on regarde l'IPC. Si l'IPC, l'inflation est à 1,9, bien en gros, le RQ va être indexé à la hausse de 1,9. Est-ce que vous pensez que dans nos calculs ici, l'indexation est pertinente? Première question. Est-ce que l'indexation est pertinente? Est-ce que j'aurais dû indexer pour tenir compte de ça dans mes calculs? Raphaël? Oui, Raphaël, peut-être ouvrir ton micro. On t'entend. Ah oui, non, il était à deux places, mon micro. Mais non, c'est ça. Pour faire les calculs, pour comparer, même si c'est sur 5 ans, trouver le point mort, c'est un peu pas nécessaire parce que ça va représenter le même pouvoir d'achat en bout de ligne. Fait que ça va peut-être comparable, beaucoup de temps comparer des pommes avec des pommes, dans le fond, vu que ça va monter de façon équivalente partout. La seule différence, ça va être important de calculer, c'est comme qu'on parlait tantôt, vu qu'on est le seul héritier, si nous on veut, ben si c'est nous qui va recevoir l'argent en bout de ligne parce que lui, il n'en a pas de besoin pour financer sa retraite, là, il faudrait tenir compte de l'indexation pour chaque année qui passe, vu que le montant, lui, il n'aura pas augmenté, puis il faut se faire tenir de la capitalisation, mais sinon, juste comparer lequel est le plus avantageux froidement, c'est pas nécessaire dans le code du RRQ. Parfait, Raphaël. Excellente réponse, très complète. Je vais juste retenir dans un premier temps le début de ta réponse, le reste était pertinent aussi, je vais juste le faire un deuxième temps. Okay? Donc, ce que Raphaël dit, c'est tout à fait la bonne réponse. Quand on parle juste de l'indexation des rentes, bien, elles sont indexées à 65 ans, à 66, à 62, ça ne change absolument rien. Je n'ai pas à indexer mes calculs du tout. Pas du tout. Ça donnerait le même 73.9, le même 81.9. OK? Mais là, il faut démêler les choses. On n'a pas à tenir compte de l'indexation, le fait que le RQ augmente à chaque année. Mais,
On a à tenir compte de ce que Raphaël parle. Moi, je vais juste le présenter un peu différemment, mais c'est la même idée, OK? Il faut tenir compte de l'actualisation. Parce que si on compare le choix de 60 ans versus 65 ans, vous vous souvenez que si je commence à 60 ans, j'ai 43 550 $ d'avance sur mon choix de 65 ans. Mais ce 43 552 $-là, si je n'ai pas besoin pour ma retraite immédiatement, mais je le demande pareil, par vase communicant, il s'en va dans mon fer. Ou il m'empêche de sortir du fer. C'est des vases communicants. Donc, il me donne un rendement. Je veux juste que vous compreniez qu'il me donne un rendement. Le 43 552 me donne un rendement, même si je n'ai besoin pour la retraite. Parce que je le répète, si je n'ai pas besoin de la retraite, il m'empêche de sortir du REER. Il m'empêche de sortir du fer. Ce sont tous des vases communicants. Donc, je dois démontrer dans mon calcul que si je demande à 60 ans plutôt que 65 ans, que j'ai un rendement sur ce 43 552. Donc, ce que je vais faire, je vais m'entendre sur un taux avec vous, un taux de rendement, puis je vais tout actualiser mes flux à 60 ans. Comprenez? Donc, c'est ce que Raphaël a dit. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va déplacer le point mort vers la hausse. Je ne sais pas si vous l'anticipiez, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, dans la mécanique, OK, si j'actualise, j'ai pris 3 %. Comprenez que je prends 3 % parce qu'il est à la retraite. Il a 60 ans. Je ne veux pas faire des rendements à 6 %. Là. Je vais plus conservateur. Mais c'est correct. Vous pouvez prendre 4 %. Ça va déplacer le point d'indifférence plus loin encore. Mais si on le fait à 3 %, je prends tous les paiements que je vais recevoir de RQ de 73,9 années, de 60 ans à 73,9, je les actualise toutes à 60 ans avec un taux de rendement de 3 %, ça donne 97 825. Si je fais la même chose avec les rentes que je reçois à 45, à 65 ans, je vais avoir 8,9 années. Vous me suivez? De 65 à 73,9. Je vais actualiser avec un N de 8,9 à 3 %. Mes valeurs que je reçois à chaque année, mon 13 610, ça va me donner 104 940. Donc, toutes mes rentes de 65 ans à 73,9, actualisées à 65 ans, ça me donne 104 940. Le 104 940, cette motte-là à 65 ans, il faut que je la ramène à 60 ans. Il faut que je l'actualise à 60 ans. Wow! Ça donne 96 522. Ce n'est plus équilibré. Mon point d'indifférence n'est pas 73,9 quand je tiens compte du rendement, quand je tiens compte de l'actualisation. Après ça, je l'ai fait par tâtonnement. Okay? J'ai taponné. Okay? J'ai changé les années dans mes modèles de calcul et j'arrive à 73,3. Donc, comme on l'a mentionné, comme Raphaël l'a dit, le fait d'actualiser pour tenir compte que la longueur d'avance que j'ai, les flux monétaires que j'ai d'avance de 60 à 65 ans, je leur fais donner un rendement, donc j'actualise tout avec ce rendement-là, bien, ça déplace le point d'indifférence de 73,9 à 76,3.